Un voyage de rêve au cœur des États-Unis. En cette fin de semaine, Laetitia Hallyday et son ami Maxime Nucci, aussi connu sous le nom de scène de Yodelis, sont partis découvrir les grandes plaines du Nevada pour un nouveau projet encore secret. Accompagnés de danseurs et de caméras, ils en ont en tout cas partagé quelques images très alléchantes sur Instagram. Mais quel est donc ce projet, tourné en plein cœur du Nevada, et qui les a poussés à partir entre amis sur les routes américaines? Jusqu'à présent, c'était encore un mystère. Mais Laetitia Hallyday et son ami Maxime Nucci, également connus sous le nom de Yodelis, sont en réalité partis tourner un clip pour une chanson inédite de Johnny Hallyday. Et s'amusent bien, depuis quelques heures, le duo partage en effet de magnifiques photos de ce road trip qu'ils semblent partager, l'un en moto, l'autre en voiture. Un projet qu'il ne partage pas qu'à deux, selon les stories de l'épouse de Johnny Hallyday, le réalisateur de clips Pierre Sabat est présent avec eux, ainsi que plusieurs danseurs, filmés au soleil couchant. De quoi espérer que l'on verra bientôt ce clip inédit d'une chanson de Johnny Hallyday, qui a si souvent collaboré avec Maxime Nucci. On l'espère. En tout cas, le duo d'amis, qui a filmé les grands espaces américains, s'est également amusé à partager sur les réseaux sociaux leur rencontre avec une énorme araignée en plein cœur du Red Rock Canyon, ou bien celle de Laetitia Hallyday avec un loup. Apprivoisé, on vous rassure. Et probablement intégré dans ce nouveau projet. Un projet qui va faire du bien aux musiciens, pendant que sa compagne Isabelle Iturburu brille sur TF1, et à la veuve de Johnny Hallyday, désormais célibataire et qui a vu sa fille Jade, 19 ans, s'éloigner pour entrer dans une université de design et de mode. S'éloigner. De peu, l'école de la jeune femme est à Los Angeles, non loin de l'endroit où vivent encore sa maman et sa petite sœur Joy, 15 ans, désormais entrée au lycée. Pendant que sa fille se prépare pour Halloween. Mais suffisamment pour lui permettre de vivre sa vie. Et alors que sa mère prenait une grande bouffée d'air frais dans le Nevada, la fille de Johnny et Laetitia Hallyday s'est amusée à essayer des costumes pour Halloween qui arrive bientôt. Et autant dire que celui de nonne va marquer les esprits de ceux qui feront la fête avec elle. La jeune Joy, quant à elle, est restée plus discrète sur cette fête qu'elle ne va sûrement pas louper avec ses amis. Mais nul doute que la jeune fille, qui est plutôt active sur Instagram, va s'amuser à le partager avec ses abonnés comme sa sœur. Et sa maman, qui aime aussi faire la fête avec ses amis et pourrait elle aussi trouver le meilleur déguisement pour jouer le jeu à fond.